Marilyn Canto, comédienne et réalisatrice. Je suis actrice, hein, moi, là. Donc, du coup, il faut que ça se chauffe. On peut faire une deuxième prise, comme ça, pour le plaisir. Et deux, trois. Alors, je sais me relever. Voilà, si je tombe, je sais tomber et je sais me relever. Je ne sais pas faire la grasse matinée. Peut-être que je devrais dire que j'aime travailler et que j'aime pas faire la grasse matinée. Pardon. Bon, vas-y, on y va. Je n'aime pas déléguer. Alors, il y a une phrase d'Antonio Gramsci qui m'a accompagnée et que j'aime particulièrement. D'ailleurs, je l'ai recopiée et je l'ai encadrée dans ma cuisine. Et elle dit qu'il faut allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de l'intelligence, à l'optimisme de la volonté. Et du coup, j'ai choisi de faire le portrait d'Ofer Bronstein, qui est militant pour la paix et la réconciliation au Moyen-Orient. Et cette phrase, elle est l'illustration de son combat, l'illustration de son action. Il a été le collaborateur d'Itzhak Rabin. Il a fondé une ONG en 2002 avec un représentant de l'autorité palestinienne en Suisse qui s'appelle Anis Elkak. Cette ONG s'appelle le Forum international pour la paix. Et c'était, à l'origine, c'était l'union de leurs forces et surtout leur envie commune de dire, leur volonté commune de dire qu'ils n'allaient pas se résoudre à la fatalité du conflit israélo-palestinien. Et voilà, j'avais envie de faire de le suivre, Offer, de l'accompagner, de l'entendre. Et puis surtout, j'ai eu envie de le filmer. Elle est extraordinaire, cette photo. Elle est extraordinaire, cette photo, parce qu'elle montre bien que même des gens qui ont eu un passé compliqué, un passé difficile, tu as un garçon qui s'appelle Hicham Abdelrazek dans cette photo, qui a été brûlé parce qu'il a essayé de commettre un attentat terroriste il y a une quarantaine d'années, qui heureusement a échoué. Il a fait, je crois, 17 ans de prison en Israël. Tu as Fares Kadoua, ici, qui a fait 15 ans de prison en Israël, accusé de terrorisme. Marwan Barghouti, ici. Marwan Barghouti, qui est aujourd'hui condamné à 6 prisons à vie en Israël. Tu as Maxime Lévy, le frère de l'ex-ministre des Affaires étrangères de la droite israélienne, maire d'une grande ville, membre du Parlement, de la droite. Yehuda Lankri, ambassadeur d'Israël en France, de la droite, du Likoud. David Tal, membre du Parlement de chasse, d'un parti religieux. Tous ces gens-là, je pourrais te dire l'histoire de chacun d'entre eux. Du côté palestinien, c'est des gens qui ont été condamnés à des peines de prison très importantes. Du côté israélien, ils appartiennent, dans cette photo-là, ils appartiennent tous soit à des partis religieux, soit à la droite israélienne. Et pourtant, après les accords, alors qu'on était en pleine dynamique de réconciliation, ils se sont retrouvés. Une de mes activités principales, c'est justement de faire venir des gens qui, théoriquement, rien ne pouvait rapprocher. Et ils se sont retrouvés, ils ont fait des séminaires ensemble, ils ont fait connaissance l'un des autres, ils ont passé des journées entières ensemble, ils ont dîné ensemble, des liens d'amitié qui se sont construits. Et encore une fois, toutes ces personnes aujourd'hui sont séparées par la réalité. Je n'oublierai pas Yitzhak Vaknin, qui est sur cette photo à côté de Marwan Barghouti, ou David Tal, faire Shabbat avec Fares Kadoua, avec Hicham Abdelrazek, avec Soufiane Abou Zaïda ou avec Marwan Barghouti, et les bénir autour d'une table, autour d'un repas de Shabbat. C'est des moments extraordinaires. Ils paraissent surréalistes, mais ils ont été possibles. Et ces gens-là ont été touchés dans leur cœur. Et je suis persuadé que ce qui a touché leur cœur est quelque chose qui est inextricable. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas retirer. C'est une expérience qu'ils ne vont pas oublier. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que, comme les jeunes générations d'Israéliens et de Palestiniens perdus à la cause de la paix après l'assassinat de Rabin et après la seconde intifada ont été empoisonnés par la haine et par l'intolérance, je suis persuadé que nous, on peut les contaminer aussi par notre énergie, par notre optimisme, par la preuve. C'est pas c'est facile de dire « Ah, tu es naïf, ah, tu es idéaliste, ah, tu es utopique, ah, tu es complètement rêveur ».
Mais c'est faux. Plus j'y étais, que j'ai déjà organisé des rencontres comme celle-là, que je continue à en organiser presque tous les jours des rencontres comme celle-là. Donc c'est possible. C'est pas utopique, c'est pas naïf et ce n'est pas irréaliste. C'est possible. Je crois que c'est la troisième année que je viens ici et je le fais avec un énorme plaisir. Je suis né dans une petite ville du désert dans le sud d'Israël. Je suis très attaché à ce pays où j'ai vécu la moitié de ma vie. Je suis français, je suis européen et je suis l'un des rares Israéliens qui détient aussi un passeport palestinien. Certains sont solidaires aux Israéliens qui pensent être les victimes d'une agression. D'autres sont solidaires des Palestiniens qui pensent être victimes d'une injustice. Et moi, je pense qu'on peut être à la fois pro-israélien et pro-palestinien parce qu'on veut que enfin la paix, la réconciliation s'installe dans cette région pour que ça apaise aussi les communautés ici en France. Dites-moi votre avis sur le conflit israélo-palestinien, ce que vous en savez. Allez. Non, c'est vous, on sait que c'est... Je vais pas lâcher. Ne soyez pas effrayés. Vas-y. Ben, je trouve que c'est... Que c'est stupide comme conflit. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait s'accepter. Et même avec des différences de nationalité, on peut très bien vivre ensemble. Enfin... Mais toi, tu te considères plutôt pro-israélienne, pro-palestinienne, pour les deux? Moi, je suis neutre. Qu'est-ce que vous... à la maison, vous en parlez parfois? Oui. Et moi, franchement, je prends pas de parti, je suis neutre. Je suis pour la paix, en fait. D'accord. Voilà. Donc t'es pas neutre du tout? Être pour la paix, c'est pas être neutre. Hein. Tu n'es pas neutre du tout. Non, mais face à Israël, Israël et la Palestine, je prends aucun de leurs partis. Tu veux qu'ils fassent la paix? Oui, voilà. Donc t'es pour la paix, c'est pas neutre, ça? Non, c'est pas neutre. Il y a beaucoup qui veulent la guerre. Hein. Mais c'est positif. Hein. Mais c'est possible, absolument. Vas-y. Mais il n'y a pas que les filles qui vont parler. Moi, mes parents, mon père, il est italien et ma mère, elle est algérienne. Donc le mix, déjà, il est pas mal. Et chez moi, on est plus pro-palestinien. Mais moi, je pense que le problème, il vient des deux, en fait. Les deux, ils ont tort et les deux, ils ont raison, en fait. Et c'est pas en remettant la faute sur l'autre que ça va régler les choses. Là, le conflit, il s'éternise et il y a rien. Il n'y a pas de finalité. Et à force, bah, les pays, en fait, ils vont tout simplement se détruire. Voilà. Merci à vous. Merci. Comment on pourrait créer une paix, nous, en tant que jeunes? En le voulant, avec le cœur, en parlant aux gens, en les rencontrant. Tu as plein de pouvoir. Ne crois pas aux ceux qui te disent « Ah, t'es trop jeune, tu comprends pas ». Aujourd'hui aussi, avec les réseaux sociaux, tu peux te mettre en contact avec des jeunes Palestiniens, avec des jeunes Israéliens. Si tu voulais aider les Palestiniens à inviter des Palestiniens à venir à nous, colonie de vacances ou à un échange ou monter un projet de photo, de cinéma, de littérature ensemble. Il y a plein de choses que vous pouvez faire ensemble avec des Palestiniens, avec des Israéliens. Montrez le chemin. Montrez le chemin. Et va avec ton cœur. Laisse parler ton cœur. Toujours. Merci Mehdi. Au revoir. Oui, salut mon ami. Une des premières missions qui m'a été assignée par le vice-premier ministre de l'époque en 1993, qui était un des hommes les plus proches du premier ministre Yitzhak Rabin. Bien entendu, Rabin, le premier ministre, était au courant, les services de renseignement étaient au courant, mais c'était très discret. C'est d'aller rencontrer Arafat avant qu'il revienne en Palestine. Les accords d'Oslo préconisaient que tout d'abord il rentrait à Gaza et à Jéricho. Et donc pour préparer son retour, j'ai été envoyé à Tunis. Les accords de paix signés entre Rabin et Yasser Arafat, c'est le début d'une réconciliation d'Israël avec le monde arabe. Les deux sociétés vivaient des moments à la fois d'espoir extraordinaire,
à la fois de possibilités de réconciliation historique et en même temps de grandes douleurs. Il y avait des attentats des extrémistes palestiniens quotidiens à Tel Aviv. Le matin, on se réveillait avec un bus qui explosait dans le centre de Tel Aviv. Et l'après-midi, on rencontrait nos partenaires palestiniens pour continuer à parler de paix. Du côté israélien, il y avait des extrémistes qui manifestaient tous les jours contre Rabin en appelant à son meurtre, à son assassinat. Mais on continuait à espérer, on continuait à combattre. Which one is the best checkpoint? You have a passport with visa, yeah? I have a French passport, but I don't have the visa in it. How you are coming here? I have Israeli passport and Palestinian passport. You are Jew? I'm Jew. Yes, you can show your French passport, yeah, but they ask you about the visa, you know? I know, that's the problem. I don't have the visa. Yeah. Don't worry. OK, c'est אותו מחסום. עכשיו, אני אגיע למחסום. מצד שמאל יש לך מין עמוד גדול של העמוד הגדול מהבטון. Deux, trois fois par semaine, les gens peuvent pas se doucher à Ramallah. Boire de l'eau potable, ils peuvent encore, alors qu'à Gaza, ils peuvent même plus boire de l'eau potable. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour recycler l'eau. Recycler l'eau. Rien de plus naturel que de recycler de l'eau pour le bien-être des uns et des autres. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc ils ont fait appel à moi c'est les Israéliens qui m'ont fait appel à moi il y a 6 ans pour qu'on arrive à un accord. On est arrivé à un accord entre Shaddad, qui était ministre de l'eau à l'époque, et le ministre israélien des infrastructures et de la coopération internationale. Et on est arrivé à un accord, on devait le signer à Paris il y a 2 ans et demi. Lors d'une conférence que j'avais organisée au Sénat. Et 3 jours avant, il y a eu ces 3 Israéliens qui avaient été kidnappés et tués. Ce Palestinien qui a été ensuite brûlé en vengeance. Et puis 2 jours après, la guerre de Gaza qui a recommencé. Donc ça a tout bloqué encore une fois. Le nouveau ministre israélien est ouvert. Je l'ai rencontré il y a 2 semaines. Il est ouvert à reprendre le dossier et essayer de trouver une solution. C'est terrible, c'est 30 millions de cubes d'eau usée, polluée, qui pollue une des plus belles vallées de la région, peut-être du monde, entre Jérusalem et la mer Morte, elle est sublimissime. Et c'est 30 millions de mètres cubes qui, depuis 50 ans, d'eau polluée, qui 50 ans s'écoule sur cette vallée. Les villageois et les bédouins et les gens qui vivent dans la région ont des maladies, ont de l'eczéma, n'arrivent pas à respirer. 50 ans que ça dure. Alors qu'imagine-toi, si cette eau était recyclée, ce qui est possible, c'est pas une question de moyens économiques, ils existent. Mais si cette eau était recyclée, ça ferait 30 millions de cubes d'eau qui pourraient servir à l'agriculture et au développement de l'agriculture à la fois israélienne et palestinienne. Et parce que chacun veut faire le malin, chacun veut faire le plus fort, et chacun... Encore une fois, c'est une mentalité de lose-lose qui s'est développée. Les Israéliens, quand tu viens avec une proposition que les Palestiniens ont faite, ils disent attends, si c'est les Palestiniens qui pensent que c'est bon, ça veut dire que c'est mauvais pour nous. Tu reviens voir les Palestiniens avec une proposition des Israéliens, tu dis ah non, non. Si c'est les Israéliens qui ont cette proposition, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une anguille sous roche, c'est qu'elle n'est pas bonne pour nous. D'un côté, je reviendrai à Ramallah, qui est une ville que j'adore. D'un autre côté, je ressors et je rentre dans ma petite zone de confort ce soir à Tel Aviv et dans 3 jours à Paris. Et je retournais attristé avec une boule dans la gorge. Parce que je pense que c'est... Si je pensais qu'il n'y avait rien à faire, que c'est comme ça, qu'ils sont condamnés les uns les autres à vivre dans l'animosité, qu'on ne peut pas régler les problèmes, je me dirais, bon, c'est une catastrophe naturelle, tu peux rien y faire, mais ce n'est pas une catastrophe naturelle. On peut y remédier. Call me when you are, yeah.
Sacha. Okay, my friend. Bye, bye, bye. Là, on est rentré en Palestine. En tant qu'Israélien, je fais quelque chose d'illégal parce que depuis la deuxième intifada, depuis 2001, les Israéliens ont décidé d'interdire l'entrée dans les territoires palestiniens aux ressortissants israéliens. Les Israéliens peuvent rentrer à condition de demander une autorisation spéciale. Ah, inside. Ah, ok. Là, on arrive dans le bureau de Saeb Arikat, qui est le secrétaire général de l'OLP et qui est le principal négociateur palestinien depuis toujours. You already arrived? Yeah. Ah, very important. So, weather is good. Yeah. Not too hot. No, no. No, it's too summer, summer. Yeah. Shukran. Shukran, Ali. J'ai un passeport qui m'avait été promis à l'époque par Arafat, et puis la réalité, la crise, l'intifada et son décès ont fait que je l'ai jamais, il ne me l'a jamais remis. Et il y a quelques années, j'ai revu Abou Mazen à Amman, il y a quelques années, et c'est lui qui m'a dit, je sais que... Est-ce que tu le veux toujours ton passeport palestinien? Je lui dis oui, bien sûr, je serais très honoré. Et un mois et demi après, il était en visite à Paris. Et on a fait une petite cérémonie avec la famille avec lui à Paris, il me l'a remis. C'était un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de ma vie. Les gens m'ont dit tu vas devenir schizophrène, tu vas plus comprendre à quoi t'appartiens, à qui t'appartiens. Je ne suis pas devenu schizophrène, au contraire. Mon rêve, c'est qu'il y ait un État palestinien qui vive côte à côte et en bon voisinage avec Israël. C'est deux pays que j'aime beaucoup. Israël, j'y suis né, et la Palestine, j'ai été adopté. In your place, so many people are working for peace from the international community. You see that things are happening, difficult. So why are you a pessimist? because of... as if we're in a tunnel with no lights. There's no vision over here. Nobody has a vision for the future. How and you can see, there's no way to solve this problem. I can't see it. If it was up to you, what you will do? First I bring the Israelis and the Palestinians together. To eat here every day? Every day. By the way, once I did, me and my friend from Israel, he owns a restaurant and he's a chef, we did cooking for peace. We went to Jerusalem and then we had Palestinians, Jewish, Muslims, Christians attending. We should do it every year. We should do it. But so this is the way. You should build. If I want to be optimistic, I will concentrate just on building. Between people. Yeah. In the 70s, we had a restaurant in Jericho. Every Saturday, it was full with Israelis. Full, full. We used to work just on Israelis, Jewish community. Jews were coming to Jericho. I remember and at the time. Even in Ramallah. I remember at the times when the casino was open, only religious Jews. Yeah, only religious, the Hasidim. They were killing me. All of them, with kippah, with black tick, every night. Gambling. They were gambling. Stupid. That's why I tell you, without building good economy and good relationships between Palestinians and Israelis, there will be no hope for peace over here. We were supposed to be, if we were really have good minds, we were supposed to be the bridge for the Israelis to the Arab world. I have another joke. Yeah. It's about Saeb Arikat, but I love Saeb Arikat. He's my friend, Saeb. Okay. So I can, but I can. One day, Saeb Arikat received a telephone call from Donald Trump,
And Donald Trump is telling him, Saeb, we signed a peace agreement. I spoke to the Israeli. Everything is okay. Say, what do you mean everything is okay? Say, everything is okay. Sure. Palestinian state on the border of 67, the right to the refugee to come back. And Saeb said, what about Jerusalem? No problem. Jerusalem, capital of the two states. Everything you wanted, it's set. The Israeli agreed. Saeb said, no, I don't agree. There's no negotiation. There's no negotiation. I can't take it without negotiation. Without negotiation. The Israeli and the Palestinian got used to the negotiation. They got used to the process. They like the process. Exactly. They forgot about the peace. Exactly. All what they do, just process. talk without doing nothing, unfortunately. Sahar. Sahar, my friend. Thank you, my friend. À l'époque de Rabin, et pendant uniquement 2 ans sur 65 ans d'existence de l'État d'Israël, à l'époque où il était Premier ministre, le budget de l'éducation nationale était plus important que le budget de la défense. Ce qui prouvait bien que si on allait vers la paix, on pourra investir les richesses et le travail des Israéliens et des Israéliennes dans la société israélienne, dans l'éducation, dans le bien-être des citoyens et des citoyennes israéliennes et plus dans la guerre et dans l'occupation. « 150 000 personnes ici pour dire qu'ils veulent la paix et pas la violence. Ça s'est terminé par la violence. Ce qui est terrible, c'est qu'ici, il y a marqué que... En mourant, il nous a laissé comme héritage ou comme... sa volonté était la paix. Depuis le 4 novembre 1995, celui qui l'a assassiné, le terroriste qui l'a assassiné, et ceux qui l'ont encouragé, ont gagné leur bataille. Et nous, on est encore endormis dans notre stupeur. On est encore sous le choc. On n'est pas arrivé à se réveiller. Alors, dire qu'on s'en excuse et qu'on demande pardon et qu'on n'a pas su le protéger, ça ne suffit pas. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas su protéger la paix. On n'a pas su protéger le début du travail qu'on avait accompli. Le slogan de cette soirée, c'était « Oui à la paix, non à la violence ». Pour l'instant, c'est la violence qui a gagné. Pour l'instant, les terroristes et les extrémistes sont plus forts que nous. Il est temps qu'on se réveille de cette stupeur, de ces 20 ans de sommeil. Pour vraiment reprendre le flambeau, mais bon, on n'y est pas encore. Ici. Allez. La valeur la plus importante, c'est la valeur de la vie humaine. Le territoire ne peut pas être sacré. Il n'y a rien de sacré sauf la vie. Et ce qui manque, c'est des leaders religieux, des leaders politiques qui mettent la vie et la valeur de la vie avant toute autre chose. Pour créer une culture de paix, pour créer une dynamique de pédagogie de paix, pour entamer un processus de réconciliation, il va falloir pardonner les uns et les autres d'actes qui ont été commis envers l'autre. C'est ça qui permettra cette dynamique de respect mutuel et de rapprochement entre les deux peuples.
qu'il y a des forces vives dans la société israélienne, il y a des forces vives dans la société palestinienne, elles sont actives, elles savent ce qu'elles veulent. Et ce qu'elles veulent, c'est pas la guerre. Tu crois que tu verras la paix, Ofer ? Ouais. Ouais, oui. Il n'y a pas d'autre alternative, hein. Ouais. Enfin, si j'arrête de fumer. In Houston, we just started a new dance called the Tighten Up. This is the music we tighten up with. First, tighten up on the drum. Come on now, drummer. I want you to tighten it up for me now. Oh, yeah. Tighten up on that bass now. Tighten it up.